Salut à tous et bienvenue sur SBTV pour suivre ensemble le troisième Grand Prix de la saison 13 GP2 et toujours avec le plaisir d'avoir en notre compagnie Marco. Bonjour Marco. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Un Grand Prix qui va se courir sur le circuit de Chine, un circuit similaire au tracé de la Malaisie. Il est caractérisé par deux grandes lignes droites qui facilitent les dépassements, mais il est surtout caractérisé par un premier secteur extrêmement compliqué à négocier avec notamment un virage en forme d'escargot. Est-ce que ça permettra à Yoshiz de prendre le dessus sur Oxide? On en saura un peu plus. En tout cas, il est prévu un petit peu de pluie sur le parcours. Est-ce que ça va gêner les différents concurrents pour réaliser une très belle course? On en saura très bientôt. On le saura très bientôt avec la grille de départ. Effectivement Max, alors il y a Oxide sur sa Ferrari qui a signé la pole position devant Yoshiz avec sa Red Bull, son coéquipier Juan Max 3e, suivi de Mott Strip avec sa McLaren. Sur la troisième ligne il y a Hamilton et Wham, assez loin de son coéquipier, suivi de Charognard 7e avec sa Lotus et McMartin 8e et JLR Max qui complète la grille 9e. Et à noter les absences de Emil Station, de Rosbif et de Ezekiel entre autres. Merci Marco, et nous allons dorénavant nous diriger sur la piste pour assister au départ de ce Grand Prix. En caméra embarquée de Charognard, d'Hamilton qui est bien là. On va pouvoir suivre également la course de Mott Strip et la course de Wham qui est bien sûr bien présent. Avec Juan Max pour terminer. Attention, les feux s'allument et vont finir par s'éteindre pour le début de ce Grand Prix, le troisième rendez-vous de la saison 13 GP2. Et déjà un bon départ d'Oxide. Oui, il y a déjà eu du chahut avec Charognard qui a été un petit peu sorti de la piste. Il a été tassé par une Williams. Il essaye en tout cas de reprendre l'intérieur, JLR Max qui là semble-t-il pousser. Non, tu dis que c'est... Tu dis que c'était une Williams. Une Williams ou une Sauber, j'ai pas bien vu. Oui, peut-être qu'on en aura. Un ralenti. Alors que on voit Wham. Ouh, il y a eu un accrochage entre Wham et Marc Martin. Ouh, et Wham qui n'attend pas le pilote. Oui, Wham est sorti de la piste et en revenant, il a emmené Marc Martin hors piste, justement. Oui, puis là, il est complètement. Ouh là, et Wham qui n'est pas du tout concentré en ce début de course. Puisqu'après avoir touché Marc Martin, il est à nouveau sorti. Charognard qui s'en est finalement bien tiré puisque il passe de la P9 à la 6e position. On retrouve la caméra de Mott Strip, toujours au premier tour. Et qui a dépassé Juan Max. Oui, on n'a pas vraiment vu avec l'accident de Charognard, mais on me souffle que c'est sur le premier virage, justement l'escargot dont on parlait tout à l'heure, que Mott Strip a pris l'avantage sur le pilote mexicain. Alors là que nous traversons la plus longue ligne droite de ce circuit, où le freinage est très intense, avec Mott Strip qui va en finir avec ce premier tour. Attention de bien négocier le dernier gauche et de ne pas percuter le plot. Il y a déjà 2 secondes de retard sur le deuxième alors qu'on revoit le ralenti. Ouh, Wham qui semble sortir avec les vibreurs et qui emmène dans son sillage Marc Martin, alors qu'on retrouve Hamilton maintenant pour deux. Il essaie de revenir sur Juan Max, juste derrière Charognard. Les positions n'ont pas évolué. Hamilton qui jusque là, depuis le début de la saison, réalise de courses solides. Oui, il est constant. Et derrière lui, Charognard s'est racheté en Malaisie avec un Grand Prix bien mieux négocié qu'en Australie. En même temps, fermant bien, c'est un peu compliqué. Attention, là aussi, une fois, les freins sont vraiment sollicités. Attention au vibreur, comme on a vu avec Wham qui a dérapé, qui a glissé sur les vibreurs, mais qui n'a pas attendu Marc Martin. On en saura un peu plus. Est-ce que la FIA va accepter ce comportement? Alors que là, on retrouve Charognard. Tour 3.
sur Ragnard, justement poursuivi par le pilote brésilien. Wam qui se montre dans les rétros de Charognard. Va-t-il pouvoir bénéficier de l'aspiration? Marco, est-ce que là les pilotes ont la possibilité d'activer le DRS et à quel niveau du circuit peuvent-ils le faire? Oui, ils peuvent déjà l'activer, c'est le troisième tour, ils pourront l'activer dans la grande ligne droite, vers le quart de la ligne droite et dans la ligne protestante. Il y aura deux zones de DRS. D'accord, donc il est encore trop tôt pour Wam pour procéder à un dépassement. Oui. Mais s'il se met à moins d'une seconde de la zone d'activation, à ce moment-là, ça devrait lui faciliter la tâche. D'ailleurs, justement, on retrouve Wam dans la caméra embarquée de sa monoplace. Ouh, Popo, oh là attention, là. Il a failli toucher Charognard, il a même touché Charognard. Il est sorti. Mais je crois qu'il est passé à moins d'une seconde de la zone d'activation du DRS. Oui, mais là, il est un peu loin quand même. Oui, c'est vrai qu'il a perdu la réaccélération. Oula, oui. Alors qu'il est plutôt à l'abri de tout dépassement venant de l'arrière. Mac Martin est bien trop loin. On voit bien qu'il profite du DRS pour venir sur Charognard, mais ce sera trop juste pour le dépasser. Il a mis tout son kers. Et là, comme tu disais, je crois qu'ils ont une deuxième zone de DRS. Oui. Ah, Charognard qui part large. Et voilà. Alors. Il va pas se faire prier. Oh, superbe. Oulala, il a la trajectoire qui était plutôt hasardeuse là de Wam. Tu allais dire sur le meilleur temps, j'imagine, d'Oxide. Non, mais effectivement, c'est à noter. Ah, j'allais surtout parler entre les pneus des deux pilotes. Je vais revenir en tendre et Wam en dur. Enfin, médium. Et Wam a réussi à prendre l'avantage alors avec des pneus plus durs que Charognard. D'accord, et apparemment, il pourra donc s'arrêter beaucoup plus tard. Il prolongera son relais, une stratégie de course décalée. On verra par la suite de ce Grand Prix si elle va s'avérer payante. Toujours au tour numéro 4, en compagnie de Charognard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on déplore l'absence de grands noms de ce championnat GP2, comme Rosbif, Ezekiel et surtout le champion de la saison 11, Emil Station. Il avait réussi à accrocher excuse-moi de te couper. Il n'y a pas de souci, Marco. Il a tiré tout droit et. Il a encore les affaires de Charognard. Oui. Mais je ne pense pas qu'il aura le DRS. Je ne sais pas s'il est dans la seconde. S'il va l'avoir, mais il me semble que Wab est bien plus rapide. Donc je disais, il manque une station. Vas-y. Ah oui, non, je disais que Emil Station est absent et c'est bien dommage pour lui puisqu'il avait remporté ce Grand Prix en saison 11 qu'il avait titré. C'est vraiment dommage pour McLaren, pour Mudstreet notamment, qui ne vont pas pouvoir remporter beaucoup de points à l'écurie et se battre au classement constructeur avec les Ferrari et les Red Bull. Alors que nous passons au tour numéro 10 avec Mudstreet. Mostrit qui a creusé l'écart sur Juan Max et qui s'arrête. Dans ce cas de stand assez compliqué ici. Alors que Juan Max en profite pour passer à la troisième position maintenant de ce Grand Prix. Oxide et Yoshis sont toujours largement devant, ils ne se sont toujours pas arrêtés, mais 14 secondes, vous rendez-vous compte, 14 secondes déjà d'avance sur Juan Max, c'est dire la suprématie des deux pilotes sur le plateau. Ils sont vraiment indéboulonnables. En l'absence d'habilitation, les écarts se creusent, et les deux pilotes, ne vont pas vraiment être mis en danger aujourd'hui, sauf force majeure. Là, on peut voir que en un secteur, Yoshida a pris une seconde sur Juan Max. La confiance est du côté du pilote Red Bull, mais du pilote numéro 1, pas du pilote mexicain, qui sort large là à nouveau sur le double gauche. Ah, c'est dur. Il doit tout de même bien profiter de cette troisième position, chose qui ne lui était pas arrivée depuis le début de cette saison. Alors que la consigne d'écurie est bien de rentrer au stand pour chausser
d'autres pneumatiques. Ah, et l'abandon de Wam. Oh, effectivement, l'abandon de Wam, mais pour la troisième fois, la deuxième fois consécutive, pardon. Ah là, que s'est-il passé, Marco? On me signale que c'est un problème de moteur. Ah là 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 là, après la panne d'alternateur. Après, voilà, après l'alternateur en sépangle, le moteur qui lâche. Oh, c'est dur, c'est dur. Et la Ferrari n'a plus qu'à compter sur le talent d'Oxide pour ramener des points. Mais voilà une très mauvaise opération pour le pilote brésilien. Et une très mauvaise opération pour l'écurie italienne Ferrari. Alors qu'on voit Max, Juan Max, rentrer au stand pour chasser les durs. En tout cas, l'abandon de Wam pourra faire les affaires à Charognard. Oui, et Charognard qui saisit alors de la cinquième place. On le retrouve justement en caméra embarqué au tour numéro 16. Dans le premier secteur de ce circuit chinois. La poursuite de Mike Martin. Mike Martin qui s'est bien relevé de ce départ difficile, percuté par Wam. Il ne s'est pas laissé abattre et qui a tout de suite pris les choses en main. Et le meilleur temps pour Yoshiz. Qui répond à Oxide. Les temps s'améliorent. Alors étonnant, cette 8ème place aussi de JLR Max, ce nouveau pilote sur le plateau GP2, et 8ème, ce qui pourrait lui assurer de solides points à lui et à son écurie, l'écurie suisse Sauber. Ouais. Donc Charnière est bien trop loin de Matt Martin pour profiter du DRS. Et c'est reparti. Charognard toujours à la poursuite de Matt Martin. J'ai l'air Max en 8ème position. Oh, ça touche le plomb. Alors là, c'est ce que vous l'avez dit au début. Oh, la quille, oui. Et on vous l'avait dit au début que cette quille était traître. Oh là là. Oh là là, il s'en sort bien finalement puisqu'il n'a pas d'aileron cassé. Il n'a pas non plus la voiture. Ouais. Il faut se remettre dans la course, au Charognard. Il faut se remettre dans la course, se reconcentrer comme il l'avait fait en Malaisie. Les 7ème tours. Il faut pas qu'il baisse les bras. C'est une erreur, c'est rien. Il faut remonter. Et là on le retrouve au 20ème tour, pardon. Il s'est rapproché de Matt Martin puisqu'il est à moins d'une seconde. Allez, le DRS peut-être. Allez, il faut prendre l'aspiration, mais il est trop loin. Ouh, mais ça accélère très très vite du côté de Charognard. Ah, même pas au freinage, non. C'est risqué. Ouh là là. Voilà, pour la prochaine zone de DRS. Même l'intérieur. Va-t-il le faire à la réaccélération? Ah oui, parce que Max Martin est intérieur. Max Martin n'insiste pas, mais Charognard a bloqué la roue intérieure. Ouais. C'est ça qui est difficile en fait à négocier, c'est que la première ligne droite donc offre le DRS au pilote qui est à l'arrière, qui est derrière Max Martin, en l'occurrence Charognard, mais Charognard passe juste devant. Et offre le DRS à Mac Martin, tout le travail est réduit à néant. Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours garder un petit peu de DRS pour contrer contrer le DRS du poursuivant et en mettre un peu dans la ligne droite comme ça et il peut ne pas passer qu'il est moins rapide. Ouais. Oula, attention. Retour dans le gazon. Ça l'avait manqué, on dirait. GLR Max est bien trop loin pour se mêler à cette belle bataille entre Mac Martin et Charognard au 21ème tour. Et à l'arrière, je vois une monoplace, me semble-t-il, c'est sûrement celle d'Oxide. Ouh là, il a encore dérapé sur le vibreur. Sur virage.
Ah, cette ligne droite, très très longue ligne droite, il me semble, Marco, que c'est l'une des plus longues lignes droites de, oui, du championnat. Oui, c'est une des plus longues, elle fait plus de, d'un kilomètre. Est-ce que tu connais d'autres lignes, longues lignes droites qui ressemblent? Donc on voit le dépassement de Charnière qui fait une erreur de McMartin. McMartin qui s'est raté au freinage. D'autres longues lignes droites, oui, il y a celle en Corée, celle en Inde, celle à Austin aussi, en États-Unis. Et peut-être Abu Dhabi. Abu Dhabi, oui, il y en a même deux. À Monza, à Bahreïn, en Espagne. Oui, il y en a partout quasiment. À Spang. Voilà. Donc là, nous sommes dans l'atypique virage dit de l'escargot. C'est assez compliqué à négocier cet enchaînement de virage. Beaucoup de pilotes disent justement que ce virage se négocie au feeling. Es-tu d'accord avec ce sentiment? Oui, parce que tu sais pas comment. Tout dépend de la façon dont tu rentres, donc tu sais pas comment ça se passe après. Donc, c'est au feeling. En tout cas, le feeling, il l'a eu Motstreet, puisqu'il a doublé Ron Max dès le premier secteur de ce circuit. On retrouve Hamilton au 25e tour. Hamilton qui est 5e, Marco, et qui est juste derrière Juan Max et devant Charonia. Est-ce qu'il va être inquiété? On attend de voir un peu le temps. Il a l'air resté là. Oula, 37 secondes de Juan Max. C'est quand même important. Et 29 secondes de Charonia. C'est difficile là, de rester concentré dans ces cas-là. Mais il faut pas se laisser perturber par la solitude sur le circuit. Oui, jamais à l'abri d'une erreur. Faut pas qu'il se déconcentre, en effet. S'il se déconcentre, il pourra faire une erreur et il pourra perdre du temps si jamais un pilote devant fait une bêtise. Une erreur. En tout cas, il ne reprend pas du temps à Juan Max sur le deuxième secteur de ce circuit. Et semble sans contrôler l'ardeur de Charognard. 25e tour. Et seulement 8 pilotes en piste. Une affluence bien faible pour ce 33e Grand Prix. Oui, 8 pilotes après l'abandon de WAM. Charognard maintenant à 31 secondes. Attention à la quille. Et on est parti pour le 26e tour avec toujours Hamilton. Et Oakley est toujours en tête devant Yoshiz, sauf qu'au 32e tour, Yoshiz a repris les devants. Peut-être qu'il y a eu les arrêts au stand. Alors que Charognard préfère rouler à l'extérieur de la piste. Peut-être pour intimider McMartin et lui dire que tout est encore possible. S'il réalise encore des erreurs aussi bêtes que celle-ci, McMartin peut y croire. Surtout qu'il n'est pas si loin que ça, Marco. Il a 2 secondes. Il est juste derrière, oui. Ah donc, encore une erreur de Charognard et McMartin pourra se retrouver dans la zone du DRS, voire devant. Et là, voilà peut-être l'erreur. Ah, là. Alors là, j'en perds mes mots, Marco, c'est vrai que un moment assez important dans la course, puisqu'on est déjà à plus de la moitié. Hein. Là, c'est peut-être la fatigue qui commence à atteindre Charognard, et on dirait qu'il est, plus dedans. Il est peut-être déjà trop loin d'Hamilton pour espérer revenir sur le pilote belge, sur son compatriote, mais il en a oublié McMartin, qui avec son Williams va procéder à un dépassement sur la gauche avec le DRS. C'est superbe. Attention au freinage. Ouh, il va chercher l'intérieur. Ouh, c'est pas fini. À deux. Ah, mais Charonner n'a plus de carte. Ça va être dur de reprendre ici. Et en plus, il s'arrête. Alors que il perdra pas le temps à laisser passer. La stratégie, lui, c'est de rentrer au 35e tour. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir terminer sur un seul relais? Non. Même avec les durs? Ah bah,
ça va être très dur alors, parce que là les pneus ils vont être usés sur la fin. Bon, faut pas oublier qu'il y a un petit peu de chance qu'il y ait de la pluie, donc à voir. Oui, effectivement. Effectivement, les météorologues ont prévu de la pluie et on me signale que cela devrait bientôt arriver, normalement. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il a anticipé son arrêt. S'il aurait voulu anticiper son arrêt pour la pluie, je pense qu'il aurait mis des temps. Peut-être voulait-il assurer. Alors que Charles Grognard, qui est 7ème, JLR Max 8ème, juste devant lui. Donc JLR Max va se faire prendre un tour par tout le monde. Et bien là, quand je vois le style pas du tout académique de Charles Grognard, je ne voyais pas vraiment comment il pouvait repasser devant JLR Max. Sauf que le pilote de l'écurie Sauber a été très fair play, n'a pas voulu risquer le contact entre sa monoplace et celle de la Lotus, et l'a laissé passer. En même temps, il est à un tour. Oui. Le drapeau bleu, donc il n'y avait pas à hésiter. Alors Coxy, il en a profité pour prendre le meilleur temps. Et on en saura plus sur sa position, parce que là, il y a une grosse bataille hein, qui se poursuit. Devant, on les voit pas, mais devant, c'est pas grave, entre Coxy et Coxy. Mon Street doit être un peu plus loin et Juan Max, lui, a porté de tir peut-être de Mon Street. En tout cas, on en saura un peu plus si Hamilton peut revenir sur le pilote mexicain. Que l'on suit au 35e tour. Hamilton qui s'arrête au stand, lui du 7e-9. Hamilton qui est donc à 55 secondes, me semble-t-il, de Juan Max. Ça fait 3 courses, je crois qu'il est tout seul, le pilote Mercedes. Alors pardon, j'ai dit 55 secondes, mais c'était peut-être 30 secondes. Je l'ai pas bien vu. À tout vous avouer. Ah, il a un drapeau bleu. Alors là, qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi il s'arrête comme ça? Ah, il y a une moto. Ah, il s'arrête vachement tôt pour laisser passer la voiture. Ouh, alors là. Ouh, il est généreux, il faut dire, il a rien à perdre puisqu'il y avait beaucoup de retard sur Max et beaucoup d'avance sur Max Martin, mais... Ah ouais, mais bon, là, quand même, il y avait quoi, il y avait plus de 5 secondes d'écart entre Yoshis qui est premier, donc devant Oxide, et lui. C'est bizarre, là, le manœuvre de Hamilton. Je dois bien reconnaître, Marco, que je me suis légèrement inquiété pour le pilote belge. J'ai cru à la panne, hein, tout simplement. On aurait pu penser à une panne, mais bon, heureusement pour lui... Ce n'est pas le cas. Il est reparti. Alors qu'on arrive au tour 46 et on voit les premières gouttes de pluie tomber. C'est vrai que le ciel s'est vraiment très bien couvert. Et là, la pluie est arrivée. Mais donc pour là, ça va vraiment tout changer la donne. Il va falloir voir les stratégies des équipes. Oh, surtout que Juan Max n'est qu'à 17 secondes de Mall Street. Il peut encore revenir. Ça va être difficile en 10 tours de course, mais l'espoir est toujours là. Là, le stand de Juan Max lui de rentrer au stand pour changer ses pneus. Est-ce qu'il va rentrer maintenant et tenter de mettre les intermédiaires ou est-ce qu'il va rester attendre que la piste soit un peu plus trempée? Effectivement, on en saura bientôt un peu plus, puisque nous arrivons à la fin de ce 46e tour. Est-ce que d'après toi, il peut continuer en slick ou c'est vraiment trop risqué? Il pourrait peut-être faire encore un tour. Eh ben, il vous a écouté, Marco. Il est reparti pour un tour de Max avec 1 minute 11 d'avance sur Hamilton et 17 secondes d'avance de retard par sur Mon Street est en tête. Il reste maintenant quasiment 9 tours de course Oxide qui domine toujours ce Grand Prix de Chine alors qu'on voit Juan Max perdre un peu arrière. Ouais, avec les pneus usés et la pluie s'est mouillée. Ouais, t'as tenté. Là, c'est un coup de poker. Je crois qu'on a pas les bonnes gammes. Et là, ça se voit puisqu'il est maintenant à 20 secondes de Mon Street. Il perd gros Juan Max dans l'opération. Il a écouté tes conseils. Mon Street ne s'est pas arrêté non plus. Ah oui, effectivement, il ne s'est pas arrêté non plus. Mais il maîtrise mieux en tout cas ce dernier tour en cycle. Justement, le dernier tour du circuit de Chine pour la saison 13.
Par contre, il faut rentrer. Ah bah là, oui, effectivement, la Terrence devient critique. Tu dois rentrer au stand dans ce tour. 21 secondes, là, il a déjà perdu 4 secondes en un tour. Ah, vous êtes trop loin pour se mêler à la bataille. Mo Street est-il à l'abri? Il n'est pas à l'abri de la pluie, mais en tout cas, il se met à l'abri de Juan Max. 21 secondes, alors que là, il semble être rentré au stand. Là, on voit les têtes qui s'arrêtent pour chausser les pneus intermédiaires. Oui. La piste, elle est trempée, là. On voit déjà les gouttes d'eau qui ruissellent sur la caméra embarquée dans Juan Max. C'est-à-dire que la pluie a doublé d'intensité. Ouh, attention, on se rend ce serait un dommage de percuter si près de la fin. Il faut aussi d'intermédiaire. De toute façon, là, il n'a rien à perdre. Alors que Mo Street demande les pneus pluie. La pluie qui a redoublé d'intensité. Ah oui, là, ça freine plus. Et trop d'eau. Ah oui, les pneus qui patinent à l'arrière. Oui, effectivement, Marco, il est temps pour Mo Street de rentrer au stand pour chausser les pneus pluie. Et Oxide qui est maintenant en tête à 6 tours de la fin. Il est repassé devant Yoshiz. Et il va sûrement s'envoler pour sa troisième victoire en 3 Grands Prix. C'est un 100% de réussite pour le pilote Ferrari. Incroyable début de saison. Rien n'est fait, mais pour l'instant, on est parti pour cette belle issue pour le pilote Oxide. Oui, faut savoir si Oxide est rentré mettre les pneus pluie ou pas. C'est pareil pour Yoshiz. Oui, ça pourrait jouer sur la fin de course. Alors que Mo Street s'est mis à l'abri de Juan Max, puisqu'on voit bien que Juan Max au tour 56 est bien trop loin du pilote belge pour pouvoir l'inquiéter. Alors que Oxide gagne la course. Et là, effectivement, même sous la pluie, tous les supporters, tous les tifosi applaudissent la victoire d'Oxide, cette troisième victoire. Et Yoshiz n'a pas vraiment su l'inquiéter, si ce n'est à la fin du parcours chinois, parcours de l'Empire du Milieu. Mais ça ne lui aura pas permis, en tout cas, de glaner, de remporter cette première victoire pour Red Bull et la première victoire pour le pilote Yoshiz. On attend une victoire, bien sûr, très très prochainement dans les courses à venir. Mais là, on va suivre Juan Max pour la fin de ce Grand Prix. Juan Max, qui était prêt à se reprendre un tour pour Oxide quand même. Oui, Juan Max n'est pas vraiment encore apte à inquiéter les leaders. Il doit encore beaucoup travailler. Hamilton a figé sa position également cinquième. Mo Street qui va compléter le podium. Un dernier tour d'honneur pour le pilote mexicain qui va en finir très bientôt. L'épingle une dernière fois. Allez, attention, évitons le plot. C'est fait. Accélération un peu ratée, mais bon. Il n'y a plus vraiment d'enjeu au pied du terminé. Podium. Et là, Marco, que peux-tu nous dire sur le résultat de ce Grand Prix? Sur le résultat, il y a une victoire écrasante de Oxide, suivi de Yoshiz à 15 secondes. Après, Mo Street qui complète le podium, il a 1 minute 10 d'Oxide, c'est beaucoup. Juan Max qui est 4e, et Hamilton 5e à un tour, suivi de Charles Rognard, McMartin, JLR Max et l'abandon de Wham. L'abandon de Wham qui est à déplorer, au même titre que les absences de Rosbif, d'Ezekiel et d'Imitation, qui auraient bien pu pimenter ce Grand Prix. Mais il faut quand même reconnaître la supériorité, la suprématie d'Oxide sur ce début de saison. On va en savoir un petit peu plus sur le classement. Et Oxide qui conforte sa première place au classement général, Marco.
Oui, Oxide qui sort 3 victoires d'affilée, donc un sans faute, et donc ça lui fait 75 points. Suivi de Yoshiz qui, comme Oxide, a fait 3 fois deuxième. Donc ça lui fait 54 points. Mostreet complète le trio de tête avec 42 points. Juan Max, qui a su profiter de l'absence d'imitation pour reprendre sa quatrième place avec 32 points. Il mine les stations qu'on a 27. Suivi d'Hamilton qui revient à 1 point d'imitation avec 26 points. Ensuite, il y a Charles Renard avec sa Lotus qui, après une disqualification à Melbourne, a gagné 2 places et revient à 7e avec 14 points. Mac Martin, 8e avec 12 points. Suivi de Goa, qui était absent à ce Grand Prix aussi qu'à Sepang, est 6e et il a perdu 2 places. Rosbif, 10e avec 5 points. Suivi de Gilles Max avec 4 points. Wam qui a encore abandonné avec 2 points, suivi de Ezekiel avec 1 point. Et pour la troisième fois de cette saison, Yoshiz termine deuxième, mais une petite consolation pour le pilote, puisqu'avec son homologue mexicain, Juan Max, il conserve la tête du championnat constructeur avec l'équipe Red Bull avec 86 points. Ils sont juste devant Oxide Wam et les frères Ferrari qui ont 77 points. Wam qui n'a pas pu apporter pour la deuxième fois de la saison le moindre point à l'écurie italienne. Derrière, c'est Mustation et Mostreet qui complètent le podium du classement constructeur avec 139 points. Hamilton et Goa avec Mercedes sont quatrième. Les Lotus Renault de Charles Ranière et Rosbif sont cinquième. McMartin et Sir Williams et sixième. Ensuite arrive l'écurie suisse Sauber de JLR Max, l'écurie indienne de Force India et enfin l'écurie de Toro Rosso à la 9e position. En tout cas, nous vous remercions d'être tous aussi nombreux à nous suivre sur Starting's Blocks TV et sur ce Grand Prix de Chine. Merci beaucoup Marco. Mais de rien, c'était un plaisir. Et nous nous retrouverons très bientôt au départ du Grand Prix de Bahreïn, un départ qui devrait être couru sous le seigle du désert. La température va être torride. À très bientôt. Salut, salut. Salut.